Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ avec le bien Seigneur. Ne laissez personne sur cette terre. Vous volez la première place, la place qui est réservée à Dieu. Ne laissez pas quelqu'un, ni les fêtes, ni n'importe quelle situation, venir voler cette place que Dieu doit occuper. Ça veut dire la meilleure place. La place, cette place qui est réservée pour la gloire de Dieu, pour la grâce de Dieu, pour la bénédiction de Dieu, ne permettez à personne de venir voler cette place. Les fêtes, oui, les fêtes. Oui. Vous savez, l'ennemi, souvent, ce qu'il fait, il est derrière le meilleur. La Bible nous dit « donner le meilleur à Dieu ». Donc, l'ennemi est derrière le meilleur. Votre meilleur, ça veut dire les récoltes. Lorsque vous donnez le meilleur à Dieu, Dieu vous bénit. Donc c'est ça, là, il veut vous arracher. Il est derrière ça, c'est ça il veut. Donc si vous ne gardez pas votre cœur, comme c'est dit dans la Bible, gardez votre cœur, ok? Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, la bénédiction. Donc, ceux qui n'ont pas gardé leur cœur, là, c'est eux qui étaient dans les dépenses comme ça. Nous autres, là, on a mis Dieu en premier. On a fermé la porte à tous les bruits. Là. Et moi, j'ai reçu à mettre Dieu en premier. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut réussir à mettre Dieu en premier. Si tu vois si vous voyez les gémissements, les murmures, les gens qui pleurent actuellement, là, si vous voyez les gens qui gémissent, qui pleurent, qui souffrent, ce sont des personnes qui ont mis Dieu derrière. Ce sont des personnes qui ont rejeté Dieu, qui ont pris leurs enfants, ils ont mis en premier. Ils ont mis leurs femmes en premier, ils ont mis leur maison en premier, ils ont mis les habillements, les vêtements en premier. Ils ont mis leur maison en premier, en premier lieu. Donc, ils ont jeté Dieu là-bas. C'est pour cela qu'ils sont en train de pleurer. C'est pour cela qu'ils sont en train de gémir. Donc, toi, ne fais pas ça. Essaie de mettre Dieu en haut, Dieu devant toute chose, avant toute chose Dieu. C'est pour cela que c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, ça veut dire Dieu d'abord, ferme la porte aux autres choses. C'est comme ça que tu vas faire et vous allez avoir une vie heureuse sur cette terre. Ça fait longtemps, moi, je mets Dieu en premier. Ça fait très longtemps. J'ai lutté jusqu'à... C'est ça, c'est une lutte. C'est un combat. Sinon, l'ennemi va venir te voler comme ça. Les fêtes, là. Ceux qui sont contaminés par les fêtes, par les mariages, préparations, gaspillages, des trucs comme ça, ils sont contaminés. L'ennemi les a aveuglés par des choses comme ça. Ils gaspillent le meilleur. Ce qu'ils doivent donner à Dieu, là, c'est là-bas qu'ils vont gaspiller. Ne fais pas ça. Mets Dieu en premier et tu vas voir que ta vie va changer. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Moi, il y a longtemps, j'ai compris. Longtemps. C'est ça qu'il s'agit.